Salut tout le monde, c'est Jackpot du lac. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une recette. Je vais vous montrer quelque chose que j'avais vu dans un garden center il y a 2-3 ans en arrière et qui m'avait fait envie. Et comme mon hobby, c'est un peu la peinture, je ne suis pas du tout professionnelle là-dedans, hein, mais c'est sympa à faire. Alors j'ai voulu essayer de faire ça. Alors j'ai envie de partager ça avec vous. Il est vrai qu'au départ, je voulais faire un sapin de Noël. Et puis en regardant le tableau fini, avec ma fille Sophie, on s'est dit que ce serait mieux en fait de faire un ciel étoilé. J'ai pas froid. Maintenant, je vais vous montrer comment on a fait ça grâce à Nonor Copain des Bois, parce que moi je suis pas une grande bricoleuse. Donc si j'avais pas eu Nonor, ça aurait été un peu difficile pour moi de réussir cet exploit de mettre des LED dans ce tableau. Alors c'est vrai que les LED, elles ont une certaine profondeur et grosseur, donc il fallait percer le tableau. Alors j'étais un peu stressée parce que je me suis dit, si on perce le tableau et puis qu'on le fiche en l'air, ben, tout mon travail est fichu, pas rigolo. Et puis j'avais peur que les LED, au fait, flottent ici. Alors je me suis dit, on va, ça c'est moi qui ai eu l'idée, pour une fois que j'ai une idée lumineuse, c'est normal avec les LED. J'ai collé des petits bouts de bois pour rigidifier en fait la toile afin que les LED tiennent. Et puis après, ben, Nonor a percé. C'était un moment super stressant pour moi, mais il a fait ça au top. Et puis ben, comme ça, les LED tiennent bien. On ne les a même pas collés, il a percé juste à la bonne grandeur, c'est nickel. Une petite ficelle, on suspend le tout. Et puis voilà, on l'allume. Ça fait une ambiance sympa. On est content, on a un petit truc maison. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez volontiers me mettre un pouce levé, m'envoyer des petits commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, bye bye!